Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement. Écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités. J'ai tapé Singa Mao, hein. J'ai tapé Singa Mao pour la humiliation. Irsil Péchang a pécié. A pécié ma makas. A réagir par rapport à la publication de Irsil Péchang ou à Tiaki Lobby. Malheureusement, moi, je n'ai pas eu de réaction parce qu'ils ont réclamé, vidéo, ils ont réclamé. Ils ont des paroles au bassin, ils ont des musiques, ils ont des images, ils ont des photos. Ils ne sont même pas un jour. C'est un jour, même pas un jour, quelques heures seulement, sûrement. Après avoir vu la publication de Irsil, elle avait directement publié sa photo avec une parole. Ma parole est Zaranaba Bakronzwan. Et ça n'a pas si Jitabe à réagir à aucune douleur, mais le col à l'inga vraiment Irsil. Moyen à kenda côté zate. Ma parole y agita, ou y a tia qui na publication na e, ilobi bo ilobi. So ki a moni publication ya moto ou alinga ramingi. Ata se peli na makamwa komite. A kenda rakaka, a tia jem. A tia jem pona nini, pona ko soutenir moto wana. Ça dit beaucoup. Beaucoup. Et ça prouve combien Jita est vraiment sincère. Alors, Irsil Péchanga, l'obit au monaki, un long texte, tout le monde était surpris. Même moi, j'étais surpris. Oh, est-ce que ces propos valent la peine d'être là? Est-ce que ces messages, ça valent la peine? Est-ce que c'est important ces messages? Au-delà de tout, avant de faire quoi que ce soit, je tiens vraiment à féliciter Irsil. Félicitations Irsil Péchang. Parce que pour faire ce que tu as fait là, il te faut beaucoup de courage. Hein, il te faut beaucoup de courage à faire ça. Beaucoup de courage, premièrement. Félicitations pour ton courage. Félicitations pour ta bravure. Félicitations parce que en faisant ça, tu donnes ta position par rapport à tout ce qui va se passer dans le futur. Na sansinini, tozala kina Jita Beyi qui était toujours là pour Irsil. Combien de fois Jita swanina batute na TikTok? Pour nous défendre Irsil. J'ai tazo fin à battre. Azo soin sa battre. Na TikTok. Pour nous défendre Irsil. Fallon Bitodi. Nga moko na landa live nae. Fallon Bitodi. Nga moko ne la chou na landa live ni. Live an oko. Na koka tepo. Fala na ofinga batu ya ofinga penda ofinga pour défendre Irsil Péchang. Elle insultait des gens. Ba insulte moko penda o kingai na linga. Et puis déjà na lobango na la NG officielle. Na soutena batu ba finga batu te. Na sala ngote. Parce que ngamo na za mutana finga te. E ba nande na to soutenir ma finga. Mais Fallon Bitodi na TikTok. Abanda ko finga penza batu ya boye ya live penda osa penda live azo finga batu pona o defanda Irsil. E a osa live asali sou video na Irsil a publia ngo Irsil pazo seka patati patata. La même Irsil wana miye bazaki kina nani na fiyo akuma pasteur John Biden, Mama Biden. La série m'a quand même bandé au tout en internet. Awa. Ba pique. A défendre qui Irsil.
Sarah ka oboye biwana Sarah. Azwa ba tan na ye bele pou sala ba live. Ba Sarah makambo a Gomez. Koutou voice ango ya Gomez. Ibi mara ne pa Sarah ti. Ibi mara pa Sarah voice wana. Nan osa ka rappel eh. Otan na bandi ko dekortike. Hypocrisie à Ursil Péchanga. Message à ça les a bien. Mais na souk a souk si ma bé ma casse. C'est vraiment trop égoïste pour aller encore plus loin. C'est de l'égoïsme. Sarah, écoute à Rakuna. Tant ma kamba Gomez et Zoïnda. Ursil na Gomez, bandaye ko sala sala, ba live. Ba live ko, wana tonton ilombe, ba o tombo ke la e. Yuspe ba o tombo ke la e, te bousus ba o sala e ba remarque. Kaka tonton ilombe wana ye moko ilombe. Panda ke moutu izope la, qu'est-ce qu'il avait fait? Il est passé par une émission. Il a parlé, il a pris part de Ursil. Il a publié une publication. Il a élevé Ursil. Pendant cette période-là où il y avait le feu sur les réseaux sociaux, je pense que je n'ai pas oublié quelqu'un. Pour ne citer que ceux-là demeurent. Pendant cette période-là, Demeur faisait de vidéos avec Ursil. Beaucoup de messages de soutien. En fait, Ursil Péchanga. Et puis, je me souviens même à l'époque, là, elle est quand même, et pas à Bellevue TV. Bah, ça, la pièce, mon coyenne à Bellevue. Justement parce que on voulait la soutenir. Parce que ces temps-là, ce n'était pas Ursil qui était le problème. Ça, je rappelle que ce n'était pas Ursil qui était le problème. C'était Gomez qui avait suscité un grand problème sur les réseaux sociaux. Et tellement que Ursil était là. Et Zogi le quoi namoutou ya Ursil. Pour Ursil, Azaloko la yaya, place les Kazali, certaines choses ne devaient pas se passer. Et dans la même lignée de choses, dans la même idée de choses, les gens avaient condamné président et nommé pour dire que papa, toi, tu as plusieurs enfants. Regarde, un de ses enfants est en train de manquer de respect à l'autre enfant. Pourquoi tu ne réagis pas pour dire stop à ça? Parce que toi, tu es papa artistiquement. Tu as un mot à dire par rapport à ces Gomez-là qui prétend dire qu'il vient de Simba. Je me souviens même pendant cette période-là, Jérémy Chabani avait eu beaucoup de problèmes parce que Jérémy Chabani s'était levé. Décor Ilunga. Beaucoup de comédiens qui se sont levés pour parler, il y avait des messages du groupe, d'un groupe Nabango, groupe Simba, ou Bimaki. On ne peut pas tolérer à une personne qui prétend dire Kazamouane Lombe de s'acharner sur Sila. À cause des abonnés. Qu'est-ce que le président Lombé avait fait? Il n'avait rien fait pour calmer cette situation-là, pour dire qu'il n'avait même pas un mot. Il n'avait pas dressé un seul mot pour dire « Gomez, tu as très mal fait. Je ne suis pas d'accord avec toi. Peu importe le problème, peu importe ce qui s'est passé. Tu ne pouvais pas parler comme ça de ta sœur qui est Sila, parce que Sila ne l'avait rien fait. C'était quelque chose des abonnés. Des abonnés, on ne peut pas le maîtriser. Même moi là. Le même abonné, là, ils viennent des fois, ils m'insultent. Mais bah, l'andara, mais bah, rouillé, bah, finingaï, le gros, la problème. Même comme sous potier, pelo, roubou, aïe, sous soit talinaïe. Ou comme sous potier, le quoi, c'est pelina, on te malobolobite, aïe, pas fingio. Mais si la fingama pour na bongo, mais Ursil n'avait pas condamné cet acte-là. Pour ne citer que ça. Pour d'autres, Makamba Poto, il y a Ursil, il y a un problème qui est sorti. Il n'y a pas que le président Lombé qui s'est fait insulter.
Il y a aussi son évoloco qui s'est fait insulter dernièrement ici à cause de Ursile, son attitude. Ah, parce qu'il y avait tellement des acharnements sur Ursile que son évoloco a été victime. Il y a une vidéo, une ancienne vidéo, et Zora qui est sous nos réseaux sociaux. Son évoloco a été obligé, yako expliquer batou. Pourquoi et comment, pourquoi la vidéo là et c'est encore ressurgi sur les réseaux, c'était à cause de Ursile Péchin. À part hier, ils allaient qui sous Fatou Miracle. Fatou Miracle est au Okutu. Ali moi na même na scène à bata théâtre. Ali moi na na monde à bata théâtre. Ali moi na elle était plus même visible, personne ne connaissait sa vie hein. Parce que Ursile s'était rapproché à eux. Il y avait beaucoup d'acharnement et les gens se sont acharnés encore sur Fatou Miracle. Batoubaïba qui n'a adresse à Fatou Miracle. Batoubaïba qui n'a n'a quoi Fatou Miracle. Attends, combien est-ce que ça a l'investissement sur la personne de Fatou Miracle? À cause d'Ursile Péchanga. S'il y a des personnes que Ursile Péchanga doit demander pardon, moi je pense que Jita devait faire partie de ces personnes-là. Jita, Fatou Miracle, qui, Sony Voloko, victime Koutamaka, c'est Sony Voloko. Parce que vidéo, mon rédiment, il y a Kala. Et qu'ils ont un réseau, ce sont des ni comment? Il y a Kala. Je pense que le pardon n'a pas été bien fait. Je pense que le pardon, c'est injuste en fait, ces pardons-là. Pardon les a vraiment injustes parce qu'il y a eu plusieurs victimes derrière l'histoire d'Ursile Péchanga. Plusieurs victimes. Ma victime, Baza et Bélé. Moi, je ne fais pas partie de chaînes qui insultent. Mais j'avoue qu'il y avait des chaînes qui insultaient. J'assume et je dis, je sais qu'on voit tous sur les réseaux sociaux qu'il y a des chaînes qui ont vraiment insulté le président Elombe. Non seulement le président Elombe, son évoloco, Fatou Miracle, Jita Bey. Là, ceux-là qui ont insulté ces personnes-là. Et de personnes qui étaient, qui défendaient maintenant Ursile par rapport à ce qui s'est passé en elle. Cet acharnement-là sur Ursile Péchanga. Il y a aussi de ceux-là qui ont insulté d'autres personnes pour défendre Ursile, que Ursile devait aussi être reconnaissant parce que tant qu'on va finir à battre, on doit défendre né Ursile Péchanga. Mais Boni Boni, toi tu viens, tu demandes pardon seulement à une seule personne. Au-delà de toutes ces personnes-là, il y a le parent de Ursile Péchanga qui se sont vus insulter encore ses propres parents. Ses les parents d'Ursile, ma parent est au ma beau taillé, ma finga maki. Si ma qui ne négligeait dans moussala, il y a papa Ursile Péchanga. Bah t'es belle, bah tu déjà tu nous sala papa Ursile. Azaz nan skripiter. Babo la baboy. Mais moi j'étais venue, je me suis dit non. Même si il faut que le gens s'acharne sur une personne. Eh, mais c'est ce travail là n'est beaucoup liban, et beaucoup lika Ursile. Et beaucoup liban et belle papa bah Ursile bota. Et Moussala on a travaillé mon corps très honorable. Un travail à recréer. Combien de personnes le font? Mais ses papas la méritent beaucoup de respect. Ses propres parents étaient insultés à cause d'elle. Les parents d'Ursile Péchanga ont été insultés à cause d'elle. Mais tant qu'il y a dans les réseaux sociaux, il y a aussi un parent artistique. Parce que ces parents-là, artistiques-là, depuis toutes ces années, on est en train d'insulter. Le gens à cause de toi. Toi, tu viens seulement demander tout le monde pardon. Et les autres personnes ne méritent pas ton pardon. Hein? À part elle, il y a aussi Dinana. Hein? Dinana qui était également victime. Tant que tu as dit, 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 tu as
Pour être, pour commencer, je vais commencer à décortiquer. Je tiens à présenter publiquement mes excuses à mon mentor et père artistique, Faustin Soukari Elombe, pour tout ce qui s'est passé sur les réseaux sociaux au cours de ces dernières années. Moi, à ta place, je vais dire, je tiens à présenter mes excuses publiquement à tous ceux-là qui étaient victimes à cause de mon nom, des insultes sur les réseaux sociaux. Toutes ces dernières, au cours de ces dernières années. Parce qu'il n'y a pas seulement eu, seulement pas une seule personne qui était insultée. Je venais de citer toutes ces personnes-là qui étaient insultées à cause de Nayo Ursine Péchang, maman. Les paroles n'ont pas été bien calculées. Il y a beaucoup ça l'analyse. Les conditions va pécier pour vos ongana tout vous allez pour celle du campon nini parce que si le pardon devrait être adressé, ça aurait commencé par tes propres parents. Par tes propres parents, maman. Tes parents d'abord. Parce que moi, si je fais insulter mes parents, je vais demander à mes parents pardon. Ce ne sont pas mes parents qui m'ont demandé de venir sur les réseaux sociaux. Si c'est à cause dont mes parents sont insultés, je vais demander pardon à mes parents. Les parents d'Ursile ont été insultés à cause d'Ursile Péchang. Nabato Bazalaka, très impoli. Ou à mon aki, parents ou n'inga, a représenté l'OTE. Y compris, président Elombe, je suis d'accord, mais il ne mérite pas le seul. Il n'est pas le seul. Normalement, il ne devait pas être le seul. Oh, ici, il faudra Senga pardon. Ah, je suis en train de bien corriger cette phrase-là directement quand je parle. Cela a conduit à des insultes inacceptables à son encontre, une chose que ses propres enfants biologiques n'ont jamais faite. Oui, mais les gens ont insulté tes parents, une chose que les autres enfants, parce qu'ils ne sont pas sur les réseaux sociaux, ses amis ne se sont pas acharnés sur eux. Parce que toi, tu as voulu faire le théâtre. Tes choix ont conduit à ce que tes parents soient insultés. Tes amis soient insultés. Ils étaient en train de te défendre parce qu'ils t'aimaient. Il n'y avait pas que le président Elombe. Il n'y en avait pas que lui. Je ne sais pas si Ursile cherche quoi finalement. Il n'y a pas que... En tout cas, je suis d'accord avec ses pardons. Mais ses pardons-là étaient incomplets. C'est incomplet. Je dois beaucoup à ces grands baobabs du cinéma congolais, car c'est grâce à Dieu, au travers de lui, que je suis la personne que je suis aujourd'hui dans le monde artistique. Et tes parents, tu le mets où? Tes parents là, qui faisaient où t'envoyaient à l'école, là où tu t'es rencontré avec Elomé, ils étaient où? À tout Seigneur tout honneur. À tout Seigneur tout honneur. Mes esquisses s'adressent également à toute la corporation des artistes et aux amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Mes esquisses s'adressent également à toute la corporation des artistes et aux amoureux du cinéma congolais qui ont été affectés par cette situation désolante et humiliante qui a détruit notre cinéma. Wani, sagesse. Toute la corporation des artistes. Normalement, le président Elombe devrait faire partie des corporations des artistes. Et toutes les autres personnes-là devraient faire partie de ça. Et tes parents en premier. Enfin, je tiens à préciser que je n'ai pas d'attaché de presse. Tu n'as pas d'attaché de presse
ou de communicateur que je charge de parler en mon nom sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas. Donc, à l'époque, il y avait Sarah, il y avait Demeure, il y avait Gita, il y avait Fallon Bitodi. Il y avait également quand la personne là qui était là, Gomez, elle-même aussi, parce que ce n'était pas un seul voice, c'était deux ou trois voices qui sortaient. Tu étais, ça, non, Gomez était partie loin. Elle faisait des lives. Elle défendait Ursel. Pas d'attaché de presse. Mais en ces temps-là, toute la famille Libota, Bato Baza, attaché de presse, la famille Libota, qui est demeure, était derrière Ursel. Et bien, fina qui peut côté Moussous. Ben insulte les arabes de part et d'autre. Il n'y a pas que ben insulte côté mon corps, d'autres ben insulte. C'était ben insulte les arabes de part et d'autre. De part et d'autre. Koto insulte, koto insulte. Donc on le batte que non, insulte les arabes côté mon corps, il y a ba si, la te, il y a ba be, la te. De part et d'autre, les insultes les arabes. Parce que dans chaque famille, ba ma boma ba zaraka. Tout ça, na ma boma na biso. Ba sape na ma boma na bango. Ba kouboua ka ba honte. Je suis mettre au bord à ma montée. Parce que ça, dans ma situation, mon sousou, ma bombe est faux bazar. Dans le bien, tu es au moi, dans le bon. Au bord, tu es pas à l'ibou, ma tasse qui zing. Ou à tasse à zo, ma classe, au bois qui était. Parce que ça, dans mon sousou, bah, j'ai ça, dans silence, ma sœur, l'aura ma bé. A bombé, mon tout, ma introverti, ma bombé. Je ne suis pas un introverti, ma sœur, l'aura mon père, ma bé. Mais tu me sous, tu es au bord, s'attendre, t'es. À salabino des gars, salut des gars, des part et d'autre. Qu'on le batte que à toute la corporation. Non, il faut s'adresser aux artistes, pas à l'institution, aux individus, aux individus. Aux individus, ma soeur, tes parents devraient être en premier lieu. Tes propres parents devraient être comme ça. Tes parents. Moi, je pense que tes parents devraient. Parce que la manière dont votre papa, votre maman ont été insultés, j'étais très choquée. Moi, en tout cas, moi, je ne supporte pas les insultes. Jamais, 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 jamais je peux accepter ça. Jamais. Mais des parts et d'autres. S'il y a une conditionnelle là, il y a une conditionnelle. Il a dit, si tu veux me soutenir, fais-le avec beaucoup d'amour et de respect envers les autres, sans dénigrer ni insulter une personne en mon honneur. Je rappelle que les gens insultaient des gens en ton honneur quand il y avait la flamme sur les réseaux sociaux. Tu t'étais tu. Parce qu'en ces temps-là, tu en avais besoin. Tu en avais besoin. Je me souviens, l'année passée, I think so. Dans le mois de mai. Ça fait une année. Mais avant ça, année 2022, les gens ont commencé à insulter le président et le maire. Attends, non. 2022. Si tu parles des années, de ces dernières années, pendant qu'il y avait la flamme, tu en avais besoin. Sonia Evoloko, si ab ma victime pour a défendre ki yo, a zala ki na yo, ba si rosa ki na poto, je crois, ba jour el boso, ou komen ko kende poto, hein?
Fallait citer nommément toutes ces personnes là-bas, Fatou Miracle, ça aurait été un long texte. Non, 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 monsieur, tu nous as tout le temps là, puis il y a un grand problème. T'es. On allait lire. Tu as voulu donner un sujet. C'est comme si tu es injuste aussi. Tu. Des amoureux, on a. Bah, abonné. Toi, bah, oh, bah, défendre qui est. Et après, bah, tu vas défendre, bah, tu n'as ma fille. Là, je vais chiter. Que ça vous apprend, il y a un côté conflité. Ma kamouébi moutou, n'a ma koloté, mais au côté en haut parce que tu aimes cette personne-là. Si tu veux, comme elle a dit, elle a raison. Moi, des fois, je viens, je défends si là, mais je n'insulte pas les gens. Hein. Elle a bien fini par conclure, mais là, il humilie les autres. J'aurais dû commencer par, je tiens d'abord à remercier ceux-là qui étaient là dans des moments difficiles, quand je traversais un moment difficile, quand il y a eu des gens sur les réseaux sociaux qui m'insultaient, vous qui étiez là, vous qui vous prenez la peine en tout cas de me soutenir, de me défendre, en tout cas je vous dis tout simplement merci. Et je vous demande aussi pardon, les chroniqueurs. Tu n'as même pas cité, parce que chroniqueur, elle au col insulte. Mais vous avez besoin de toutes ces personnes-là. De toutes ces personnes-là. Maintenant, là, tu sais qu'il n'y aura plus un problème. Ni sur toi, ni sur une autre personne. Parce qu'il n'y a même plus de problème aussi. Parce qu'il n'y a même plus de problème. Il y a président Elombe. On ne l'insulte même plus pour toi, ici. On ne le fait même plus pour toi. Moi, je pense que la personne qu'on insulte beaucoup, c'est Jita. Parce que c'est la Jita qui est restée là à parler de toi sur les réseaux sociaux. C'est toujours elle qui parle de toi. C'est toujours elle qui s'est fait insulter pour toi. Qu'est-ce que tu lui as? Tu n'arrives même pas à citer son nom. Même pas à citer son nom. Mes chers amis, l'amitié doit être réciproque. Moi, quand je suis amie avec quelqu'un, quand je sens que moi, je cite beaucoup son nom, elle ne cite pas mon nom. Moi aussi, je ne veux plus citer son nom. Donc, citer, citer, comme mon nom, ça, on cite. Parce qu'il y a cité à comme mon nom. Là, on cite les comme mon nom. Jita, Zoua Mayele. Ça ne sert à rien de citer le nom d'Ursile. Parce qu'elle, elle ne te calcule pas. Elle ne te défend pas. Mais toi, tu es toujours là à la défendre, à te faire insulter pour la défendre. C'est comme si au soutou qu'elle y est, elle ne doit pas nécessairement être ton amie. Tu peux bien vivre toute seule, sans même vouloir un ami. Tu as des connaissances, mais pas des amis. Parce qu'une amie est censée te défendre. Quand elle n'arrive même pas à citer ton nom, alors citer Kakombo et Lombe, c'est comme si Lombe, Kakanemu, toi, ça, là, tu n'es pas important. Et non, c'est faux. Même avec les amis, nous avons appris. Même avec les amis, nous avons appris. Un pardon très mal dirigé, très mal visé. Beaucoup d'honneur sur une seule personne pour rien. Avec beaucoup d'hypocrisie. Pour justement se faire laver. Sur base de quoi? Sur base de quoi? Difficile à comprendre. Difficile à comprendre. Jita Zoua Mayele. Ne viens pas pour défendre qui que ce soit. Viens en ton nom, maman. Tu mérites mieux. Tu mérites une très bonne amie. C'est toujours toi qui défends. C'est toujours toi. C'est toujours toi. Ana mouno konae. Sue li kamboza ya kaimu. Ma chroniqueur était à Bino. Oh, Bino, vous finissez. Était à Bino pour voir que finissez mon tout le colo, mon tout la souk à ignorer. Si tu veux les faire, fais-les avec amour. Je n'ai pas besoin de, que vous me défendez. Mais à l'époque où vous les faisiez là, elle était là, elle recevait. Maintenant, ah. Beauté, Ama. Ursile, elle est très maligne. Très maligne. Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Qu'est-ce qu'elle prépare encore? Kaimou, Kaibi.
il y a beaucoup de leçons à tirer. Le cœur de l'homme, l'homme est ingrat. L'homme est ingrat. Ça vous apprendra. Coucou à tous les Nélachu, les Nélacœur, les Nélalove, bienvenue à tous mes nouveaux abonnés. C'est-à-dire que tu es nouveau sur ma chaîne, en tout cas, n'hésite pas à t'abonner, clique la cloche de notification. Aimez la vidéo, commentez surtout, partagez-moi cette vidéo au maximum. Boyara ko défendre batouté na mafinga. Nous tout monde alinga ba défendre lele batou na mafinga. Bat bazana sembla mon coin. Bondi maté. Le cœur de l'homme est tellement tortu, l'homme humain est tellement hypocrite. Faites attention à vous. Il y a na batou sou basi ba problème pour nous défendre batou. Je suis na tour na ba on batou na ba bandé ko défendre ba sale le côté. Pour na bango. Tous a mayele. On a commis batté là. Si tu as besoin d'une collaboration, on est la NG officielle, contacte-moi. Si tu as 1000 abonnés, 4000 heures, tu ne sais pas comment faire pour monétiser ta chaîne, contacte-moi. Si tu as un problème avec ta chaîne YouTube, tu ne sais pas par où commencer, contacte-moi. Si tu veux travailler dans une collaboration de promotion et publicité, contacte-moi. Les bureaux de la NG officielle va t'assister et nous allons faire un bon travail avec toi. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bisous, bisous. Bye! Nela NG officielle. Nela NG. Écoute, like et abonne-toi à Nela NG officielle sur YouTube. Nela NG officielle. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nela NG te dit toutes les vérités.